La sollicitude permet de mettre en avant la question de la place, de la disposition. C'est-à-dire que la sollicitude renvoie au fait que l'attention à l'égard d'autrui est certes une activité, mais qu'elle est aussi une disposition. C'est-à-dire que précisément, se soucier de l'autre, c'est aussi se disposer à l'égard d'autrui. La notion de soin a un sens en français souvent lié à la sphère médicale. Et donc on ne peut pas l'utiliser en un sens, c'est difficile en tout cas de l'utiliser en un sens large d'un rapport à la morale ou d'un rapport à l'éthique, mais en même temps on peut penser qu'il y a dans les pratiques de soins bien forcément un rapport à des manières d'être, à des conduites et donc à une éthique. En ce sens, je préfère le terme de prendre soin. Parce que le terme de prendre soin permet de penser une sorte de dynamique et un rapport plus évident à des pratiques qui ne sont pas seulement des pratiques médicales.